Mais au fait, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le coronavirus ? Le coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le MERS ou le SRAS. Le Covid-19, identifié en janvier dernier en Chine, est un nouveau genre de coronavirus. Alors, comment se transmet ce virus ? Si les modes de transmission restent encore peu connus, plusieurs hypothèses sont privilégiées. Les premières personnes à avoir contracté le virus s'étaient rendues au marché de Wuhan, en Chine. L'origine animale est donc privilégiée, mais on l'a bien vu par la suite, la transmission interhumaine a été confirmée. Il existe plusieurs façons possibles d'être contaminé. Tout d'abord, en touchant une surface contaminée et en portant la main à sa bouche. Il faut savoir que le Covid-19 n'est capable de survivre que quelques heures à l'extérieur et sur des surfaces sèches. Le risque d'être contaminé par un colis en provenance de Chine, par exemple, est quasi nul. Ensuite, il y a la contamination par les postillons liés à un éternuement ou une toux. Les personnes ayant partagé l'espace de vie d'un malade ou ayant eu un contact direct avec lui à moins d'un mètre sont donc menacées. Une question subsiste, peut-on attraper le virus par l'eau ? Pour le moment, aucune contamination de ce type n'a été rapportée. Toutefois, la source n'a pas complètement été écartée. Du coup, quels sont les symptômes du virus ? Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficulté respiratoire de type toux ou essoufflement. Comment se prémunir ? À ce jour, il n'existe toujours pas de vaccin contre le Covid-19. Plusieurs traitements sont en cours d'évaluation en France, en lien avec l'OMS pour être utilisé contre le Covid-19. Dans l'attente, le traitement est symptomatique. En revanche, n'oubliez pas qu'il existe des gestes simples et efficaces pour préserver sa santé et celle de son entourage. Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et bien sûr, porter un masque quand on est malade.